Salut à tous, c'est Falcor et me revoilà sur GTA 3 pour la prochaine mission de Luigi. Est-ce que je peux rentrer avec mon carrosse? Oula, je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Si, bien sûr, évidemment. Alors, il faut être à pied. Prochaine mission qui s'appelle Pas de Spank pour la pépé. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Alors ramasser la batte, mais c'est déjà fait, j'ai déjà une batte, enfin. L'un pour changer d'arme. Ouais, mais j'ai qu'une arme là. Ah oui, entre le poing et la batte, évidemment. Ma voiture! La voiture! J'en profite bien de ma voiture parce que je vais pas la garder longtemps. On n'arrête pas de changer de voiture dans ce jeu. J'ai l'impression que les contrôles sont très proches de ceux de GTA V, là j'essaye un petit peu. Des itinéraires marqués sur le radar, bah ça ouais c'est pas un conseil qu'ils donnaient avant puisqu'il n'y avait pas. Rise FM, je regarde les radios. Oups! Ah! Je suis vraiment désolé. Voilà. Au moins que ça serve à quelque chose. Alors c'est bien, j'ai écrasé 3-4 personnes là, mais pas de problème. Alors. Voilà. Ah, il m'a enlevé un peu de ville, salaud. Donc là, là je dis adieu à ma voiture. Je ne la reverrai jamais. Ah! J'ai pris un lampadaire. Alors. Ah, le GPS, c'est bien quand même. Oh! Allez donc, elle a pris à droite, hein? C'est l'inverse, ici, ok? C'est à gauche d'abord. Ah, je respecte pas le GPS, moi, je suis trop un fou. Voilà, on fait très attention. Eh mais poussez-vous! Cette fois c'est gratos, eh ben c'est cool. Nouveau moteur et nouvelle peinture, les flics te reconnaîtront plus, mais oui. Bon, de toute façon, ils ne me pourchassaient pas. Ah, fallait que j'aille de l'autre côté. Oh, mon Dieu! Voilà. Alors, toujours ce phénomène de quand j'ai une voiture, la même voiture apparaît un peu partout. Vous avez, hop, même, la même couleur en plus. Ah, là-bas aussi. Ah non, pas du tout. C'est la même couleur, mais c'est pas la même voiture. Bon. Ouais, là non plus. Alors, cet hôpital-là, je vais y passer beaucoup de temps quand je vais faire les missions d'ambulance. Ça va pas la tête? Bon, j'ai très envie de lui piquer son flingue. Voilà. Bah il fallait pas se faire remarquer mon gars. Hein. Voilà, très délicatement, hop. Ah! Et c'est une mission réussie. Alors heureusement qu'on a des bagnoles en polystyrène. Alors écoutez, ce qu'on va faire... c'est combien les missions de taxi qu'il faut pour le trophée? Je ne sais plus, mais là je ferai bien les missions d'ambulance dans la foulée. Donc voilà, si vous, tout ce qui vous intéresse, c'est juste les missions, eh ben, vous pouvez déjà quitter cette vidéo. Mais si vous voulez voir un petit peu comment je vais lutter pour terminer les missions d'ambulance... Alors vous voyez, là l'ambulance est encore visible. Voilà, donc si vous voulez regarder mes missions d'ambulance, vous pouvez continuer évidemment.
Alors, je m'oriente comme ceci. Et c'est parti. Alors, en général, plus le temps de départ est élevé, plus les bonhommes sont éloignés. Et du coup, plus ils me donnent aussi de temps quand je les récupère. Salut. Oh là, oh là, oh là. Voilà. Tout se passe bien, tout se passe bien. Oh là, ils sont tous là-bas. Saligo. C'est vrai que j'ai cette option-là, là. Qui était déjà sur GTA V. Quand t'appuies sur bas, t'as la minimap là qui fait un gros saut en arrière et ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc c'est vrai que je peux faire ça. Voilà. Bon, là, ça s'est bien passé. Oh, mais c'est pas vrai. Bah oui, j'ai coupé la... C'est ce que j'ai coupé la... Le gyro. Donc c'est vrai que du coup, ils font plus pareil. Ah, c'est vous. Merci. Vingt-cinq secondes, c'est moyen, comme tant qu'il y donne. Je préfère évidemment quand il donne plus. Mais il faut savoir que ça peut arriver qu'il donne un peu moins de 20 secondes. Oh, pardon, excusez-moi, je suis occupé à sauver des vies, donc évidemment, je ne fais pas attention à où je roule. Alors, quand je peux, je coupe le gyro parce que c'est fatigant. Alors, ah, ça, ce sont les restes de mes tentatives précédentes que vous ne verrez pas. Voilà, je fais attention à préserver le plus possible mon véhicule. Ah, ça c'est emmerdant. Ah, c'est bon, les. Je pensais avoir les flics au cul, mais même pas. Bon, tant mieux. Oh. Attention. On fait attention à ce genre de choses quand même. Bon, j'ai peut-être perdu un peu de temps là, par contre. Alors, j'ai un avantage là, c'est qu'il n'y a plus de porte sur le côté, donc je vais gagner à chaque fois un petit peu de temps. 26 secondes, c'est bien. Parce que quand il n'y a plus la porte, évidemment, le PNJ ne l'ouvre plus, hein, il y a juste à se jeter directement dans la bagnole, et ça, c'est bien. Là, vous allez voir. Hop, voilà. Gain de temps exceptionnel. Je vais tenter de passer par là, mais c'est peut-être une très mauvaise idée. Oula, 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 oula. Comment la bagnole s'emballe vite. Alors vous entendez peut-être un truc qui gratte, c'est l'un de mes lapins. Je pense qu'il a décidé que son foin n'était pas assez bon. Donc il en veut du frais. Alors, ça se passe bien là.
Ouais, t'as vu la vitesse à laquelle il rentre dans le véhicule? Est-ce que ça c'est pas beau? Est-ce que ça c'est pas ce qu'on veut voir à chaque fois? Juste toi. Voilà, hé. Là on est bien. Ça va, oui? Alors des fois oui, il y a des bagnoles qui sont un petit peu fofolles. Ah, qu'est-ce... Oula, c'est pas par là, c'est pas par là. Espèce de fou. Bon, c'est pas grave. Là, je n'ai pas de bonus de temps ou quoi que ce soit. Déjà, à chaque fois, un temps différent. Là, vous voyez, 57 secondes, ça peut très bien descendre. Ah bah non, c'est... Le hasard fait que ça s'est mis à 55. 55, donc ça veut dire quoi? Que quand je vais les récupérer, ils vont peut-être me donner 30 secondes? C'est beau de rêver. 28, j'étais pas loin. Je suis à laquelle là? Je suis à la sixième là, j'ai pas fait gaffe. Je crois que je suis à 6. Ouais, c'est ça, 6. Donc ça fait deux ambulances pleines. Bah oui, c'est ça. Pourquoi j'ai pas un collègue avec moi? Là, ce serait plus simple. On dirait que le jour se lève. Ah, tiens, je vais chercher celui qui va être chiant là-bas. Oh, c'était un hurlement très bizarre. Ah, ouh là là. Faut vachement faire gaffe à ça. Ça arrive bien trop souvent. Et alors quand ça arrive à la fin, c'est pire que tout. Ouais, pour l'instant, mon véhicule ne fume pas. Ah, ouais, je repars direct, rien à péter. Hop, hop. Ah, il aurait fallu une petite ruelle pour que ça fasse un raccourci, mais il n'y a pas, tant pis. Qu'on tourne. Au niveau du temps, là, je suis large, j'ai pas tellement besoin de me presser. Et ça, c'est plutôt appréciable. Alors, tiens, on va faire une petite marche arrière pour aller choper l'autre, là. Ah, je suis très très bon en marche arrière. Pas vrai. Hop. Et à regarder tout le temps dont je dispose. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable aussi de conduire aussi mal? C'est une question qu'il faudrait se poser. Il faut faire attention à pas trop charger sur les montées là. Bon, je peux même couper la sirène là parce qu'on est bien. Donc on va conduire tout doucement. Enfin, prudemment en tout cas. Toujours comme un ambulancier, hein, évidemment. Hop! On se prépare pour la suite. Ne bougez pas. Voilà. Là, il y en a trois à gauche dès le début. Ça, c'est plutôt bien. Ouais. Je vais prendre mon raccourci magique. Ouais, il est magique, je vous promets. Regardez ça, regardez si c'est pas magique. Hop! Et je suis là. T'as failli rouler sur mon patient, toi? Ah non, d'accord. La hitbox n'est pas du tout foirée! Il faut se mettre loin d'eux, en fait, on peut pas trop. 20 secondes, ah, j'avais pas vu, ah ouais, ça va être un. Là, il va falloir que je trace à mort, là. C'est tout ce que je déteste, merci. Merci le jeu. Allez, cassez-vous, cassez-vous. Ouais, faut pas trop que je fasse des collisions comme ça, remarque. Parce que ça fait diminuer le temps et parfois ça diminue très vite. Voilà, bon après là je suis pas trop mal. Voilà. Alors, on va chercher ces deux-là.
sont côte à côte, donc ça va faire du bien. Ok. Ah ok, on va choper celui qui est droit devant là. Ce sera bien. Non, on va pas risquer ça. C'est pas le moment. Les cascades, on verra après. Ah, je suis ici, donc ça c'est pas trop mal. Je suis bien placé. Allez, go! Alors, je crois même que je peux gagner du temps si je passe par là. Ouais, bah, je vois le temps qui me reste là, je suis bien. Hein. Et bordel. Je suis désolé, hein. Bon, alors, attends. Oh, mais vous faites chier à faire ça, sans déconner. Allez, voilà. Oups. Là. 25, c'est pas trop mal. Je préfère quand il me donne 35, voilà. Ça, là, 35, c'est bien. Alors là, je suis un petit peu embêté. On va dire, on va prendre celui qui est le plus à gauche, là-bas. Allez, c'est le moment de faire péter la sirène. Allez, cassez-vous, merci. Là, ça c'est un petit peu chiant, ça aussi. Hein. Bah, je vais aller chercher celui qui est isolé là-bas, là. Voilà. Ça va pas être très confortable, mais ça va le faire. Ah, je dois être à la 8e là, c'est ça? Je perds du temps là avec des. Avec ces trucs là. Là. Faudrait que la deuxième porte de l'arrière dégage. Ça m'aiderait. Que comme ça, il perdrait moins de temps à ouvrir la porte. Tout ça, c'est voilà, c'est. Le rendement, tout ça. Voilà. J'aurais sûrement pu aller tout droit, mais... Ouais, c'est bon, c'est vrai que ça rattrape, donc... Faudrait que j'y pense pour la prochaine fois. Bon, on va repasser à 1 minute. Ça suffira largement pour aller chercher les deux autres. Ah bah non. Attends. J'en ai déposé combien, là? Ah, j'en ai déposé que 2. Parce que là, j'ai pas eu le gain de 25 secondes. Voilà, j'espère que ça va pas me foutre dans la merde, ça. Bon, je pense pas, mais... Voilà. Ah bah oui, parce que là, je me suis compliqué la vie en faisant comme ça, alors. Ah bah, putain. Ah oui, c'est... Ils sont chauds hein, pour des mecs blessés quand même. Hein, ouais. Ils me foncent dessus, limite. Ok, on va être bien. Non, je devais être qu'au 7, en fait. J'ai pas trop fait... Je sais pas, j'ai bugué, là. Ah ouais, non, j'étais bien au 8. Bah, je sais pas, je me suis emmêlé les pinceaux. Oh là là, il y en a plein de ce côté-là dès le début.
Ça me plaît pas. Ça veut dire que le temps va être très faible, je parie. Ah, attends, faut que je regarde un truc là. Ok, 1, 2, 3. Ah ouais, lui là. Lui. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai l'avantage d'en avoir 3 qui sont très proches dès le début. Donc je vais pouvoir engranger un maximum de temps pour être bien après. Voilà, donc là on est d'accord, j'en ai 3. On peut y aller. Qui a laissé son ancienne ambulance ici? Attends, je réfléchis là. Là, faut vraiment. Ouais. Je vais faire l'autre petit détour pour avoir encore 3 qui sont assez proches les uns des autres. Et après, je serai tranquille pour choper les plus éloignés. Je sais pas si c'est une bonne strat, hein, mais. Ah ouais, je vais peut-être choper celui qui est bien loin au nord là. Oula, il y a eu un bruit horrible là. J'ai toujours peur quand j'entends ce genre de son parce que j'ai peur qu'il y ait un délit de fuite et que le mec qui fuit me foute dans la merde. Vous voyez là, je suis à 2 minutes, bah, c'est bien. Ça va m'aider. Dry cleaning. Allez, cassez-vous. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. Ah, moi, dès que j'entends le petit cling, bah, je me pose pas de questions, hein. C'est bon. Putain. Pourquoi tu t'es arrêté au feu, enfin? Voilà, qu'est-ce qui me gêne, ces gens? Bon, peut-être arrêter les collisions. En vrai, là, je panique alors que je suis bien, là, je suis complètement bien. Vraiment, ça va, là. Évidemment, tout peut partir en couille assez rapidement. Voilà, surtout, faut pas retourner son véhicule. Attends, il est de quel côté? Il est vraiment sur l'extérieur, donc faut aller le chercher. Toujours analyser la situation. Quand c'est nécessaire, évidemment. Allez, demi-tour. Eh, j'ai 1 minute 30 pour y aller. Incroyable. Incroyable comme ça s'est bien passé, finalement. Alors. Il va me rester plus que 3 niveaux, là c'est. La pression monte. Là ça part direct, hein. Là j'ai eu un démarrage de quoi? 50 secondes? Donc quoi, ça veut dire que je vais encore me taper des 25 secondes? T'es sérieux là? T'es sérieux de me faire ça dès le début? 25, ouais, je m'en doutais. Ah, attends. Ok. Ça, c'est chiant, ça, quand ils s'écrasent sous mes roues alors que je leur demande rien. D'accord, très bien. Il y a aussi les conducteurs hein, qui sont parfois très chiants. Hein, je crois que vous avez bien remarqué ce petit détail. Mais ouais, ça peut être insupportable.
Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes. Arrivé à ce stade-là, en fait, les mecs sont tellement éparpillés que c'est plus tellement le temps qui pose problème en général. C'est plutôt les dégâts du véhicule, parce que on utilise le même véhicule depuis un petit moment. Voilà, ça peut être aussi le fait de faire beaucoup de trajets, donc on a évidemment un peu plus de chances d'avoir des problèmes, du genre écraser un flic et du coup être poursuivi, et voilà. Ou retourner sa bagnole, ça c'est bien aussi, hein. Bon, bah alors là, je vois tout de suite où je vais aller. On dirait que je fais toujours pareil, mais là c'est en même temps que la façon dont ils sont disposés, bah évidemment que je dois faire comme ça. Parce que si jamais jamais ils s'étaient pas placés comme ça, évidemment ce serait différent. Mais là je serais fou de faire autrement. Regardez-moi ça, on va franchir les 2 minutes, on va être bien encore une fois. Et en même temps, voilà, je le fais dès le début, donc il n'y a que la première zone qui est concernée, et en plus, il n'y a pas la mafia qui me tire dessus. Là, on est à peu près dans leur zone, là, la mafia, et quand ils vous tirent dessus avec des M16, votre bagnole, elle dure pas longtemps. Mais vraiment pas. Je sais pas comment ça va être là sur cette version-là, mais bon, sur la version PS2, dès qu'on entrait dans la rue, bon ben, on avait le temps de compter jusqu'à 5 et c'est bon, la bagnole était explosée, quoi. Oh, j'ai très envie d'aller d'abord sur ceux de droite, mais bon, comme je suis parti comme ça, parce que ceux de droite, ils sont paqués. Donc j'aurais pu aller les chercher ensemble. Mais lui, il était tout seul, il me faisait de la peine. Alors, c'est quoi le plus logique là? C'est passer à gauche, évidemment. C'est histoire ensuite de tourner à droite pour aller chercher le troisième, le ramener. Ah, quoique, ils sont sur la même route, hein. On va faire ça, on va faire ça. Oh, putain. Ah, rond, c'est pour regarder à droite, carré pour regarder. Oh là là, c'est bizarre, hein. Et là, bon, bah, j'ai un mec tout seul, mais bon, je suis à plus de 2 minutes. Donc, il va bien attendre. Ah, oh, je suis désolé, hein, quand t'es blessé et tout, hein, et que tu es en train de te vider de ton sang à cette vitesse, hein, tu t'en fous, tu rentres dans le chabu, les sangs se mélangent, tout le monde chope l'hépatite, mais au moins, voilà. On t'a fermé ta cicatrice. Ah! Oh putain, oh putain. Le connard de flic. Voilà. Moi j'ai envie de couper la sirène, là il reste 1 minute 30 pour ramener un mec. Bon ça va. Ça va bien se passer. Ah. Il reste plus que deux. Alors évidemment, c'est de plus en plus long, hein. Il en reste plus que deux. Ça démarre à 45 secondes, ok. Donc je pense que ça va être du 20 secondes là. Ça va être horrible. Ah, hey, c'est pas trop mal. Alors, là, je vois que j'ai une belle boucle là qui est en bas. Ah ouais, oh là là, c'est chiant ça. Lequel je vais chercher? Franchement, je sais pas. Ah, je vais chercher celui qui est au bout de la ruelle, voilà, ce sera logique. Là, ils sont placés de manière à ce qu'il y ait des dilemmes en permanence là. Alors là, c'est rempli. Ok, bon, ça va bien se passer. Parce que j'ai eu un gros pack de ce côté-là et je commence toujours par ce côté-là, donc je vais amasser des secondes. Et c'est bien.
piece of shit. Ouais, je commence à avoir faim, je vais ventre qui gargouille, mais... Allez. Très bien. Vous évitez de m'écraser mes... Hein, s'il vous plaît? Je sais pas si ça m'est déjà arrivé, ça, qu'un de mes patients, là, se fasse écraser par quelqu'un d'autre que moi. Enfin, se fasse tuer surtout par quelqu'un d'autre que moi. Donc là, je suis rempli, je peux même pas aller chercher celui-là, ça c'est... c'est assez... emmerdant. Les ambulances sont beaucoup plus solides que la version originale, il n'y a pas photo, parce qu'avec tous les ch'tards que je me suis pris, là j'aurais au moins eu la fumée noire. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, merci à vous, Rockstar, d'avoir fait cet effort. Parce que... Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Alors, le premier, aller chercher... Oh bah peu importe, ça change pas grand-chose. Alors, peut-être passer comme ça pour éviter la zone de travaux, à la limite. Je suis bien au niveau du temps, mais pas non plus voilà, en droit de perdre du temps. Justement. J'aurais peut-être dû aller chercher les autres, en fait. Là, je vois comment ils sont placés. Je crois que les trois autres sont assez proches, ouais. Ah, pas tant que ça. Faudrait que j'aille chercher le casse-couille qui est tout seul. Ouais, je vais aller le choper. J'ai le temps. Tourne pas, voilà, merci. Ouais, j'ai largement le temps d'y aller. Je préfère faire comme ça les deux derniers sont côte à côte et au niveau du temps, ça se passera bien. Attends, on va pas trop vite. Là, c'est franchement pas le moment de retourner sa bagnole. Ah là, j'en ai plus rien à foutre. Hop. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, faut se rassurer, hein, de toute façon, parce que ça arrive tellement que sur une mauvaise manip ou un coup de malchance, le temps défile à une vitesse folle. Voilà, alors attends, là c'est mieux de passer par où? Ouais, faut que je fasse carrément demi-tour. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. 17 secondes? Pourquoi 17? C'est bon. La vache, comment c'est serré là d'un coup là? Ouais, c'est ce que je disais, on a. Des fois, on a l'impression que le temps se met à défiler à une vitesse folle. C'est vrai que j'ai un peu traîné pour ramasser celui d'avant là. Faut vraiment chercher à optimiser pour faire des packs de 3 bien, bien logiques. Voilà. Eh, il reste plus qu'un niveau si je dis pas de conneries. Ah, attendez, attendez. Voilà, je pars dans ce sens-là. Ah, écoutez, on va faire ça. On va chercher les 3 qui sont au fond là-bas. Vu que je suis parti comme ça. C'est pas ce que je fais habituellement, mais au moins, ça change. Ça va être l'erreur qui va tout gâcher. Non, je pense pas. Je pense justement que c'est très bien. Alors, combien il me donne? Allez, allez, un petit 28. 26, ok, je prends. Je prends carrément. Dès que c'est au-delà de 25, de toute façon, je trouve ça bien. Regardez ça comme c'est magnifique! Mais non, mais putain, mais... Arrêtez de faire ça! Oh là là, c'est pas vrai, hein.
Là, on va descendre là. Là, c'est bien propre. Alors, attends. Encore une fois, faut réfléchir. Ah, ok. Ok, je sais comment je vais faire. Un petit peu le film inverse de ce que je fais d'habitude. Ouais, c'est logique, en même temps j'ai ma sirène, alors il s'arrête. C'est pas grave, il y avait personne dedans, donc je n'ai pas perdu de temps. On est toujours bien là. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Mais en même temps, j'ai rien fait pour que ça n'arrive pas. Et voilà. Le raccourci magique. On ne retourne pas son véhicule, s'il vous plaît. Merci. Portez-toi l'alarme là. Oh là là. Ah, les oreilles. Du coup, là, je vais aller chercher les trois. Non. Pas vrai. Les trois qui sont bien paqués. Enfin, bien paqués. Ils sont, voilà, ils sont assez proches les uns des autres, quoi. On va plutôt dire les choses comme ça. On va y arriver les amis, on va y arriver. On va réussir à se débarrasser de ces missions ambulances dès le début. C'est le plus dur. Ah, quoique les flics, c'est chiant aussi dans celui-là. Après, il y avait une petite astuce sur la version... Alors, la version PS2, je crois pas que ça marchait, mais la version PS4, il me semble que ça marchait. La version juste avant, là. Regardez ça, regardez ça. Il m'en reste 3. Et j'ai énormément de temps devant moi. Youpi. Bon, énormément, j'exagère peut-être un petit peu. Et ma bagnole n'est pas en feu. Donc là, faut surtout pas faire de conneries. Mais alors, surtout pas. Ah! Ne gâche pas tout, s'il te plaît, monsieur le flic. Je te demande juste ça. Merde. Allez, fais pas de conneries. C'est le dernier, ne m'emmerde pas. Voilà, là, ça me met le stress. Ah, c'est bon. C'est bon, le flic est parti. Faut pas me faire des coups comme ça, hein, c'est pas cool. Alors, attention. Un grand moment. Ah, mission d'ambulance terminée. Jouer au docteur, trophée obtenu. Ça fait du bien. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sauvegarder, évidemment. Alors, j'y ai passé quand même un peu de temps, hein, peut-être 1h30. Donc, vous voyez la thune que j'ai. J'aurais eu un petit peu moins si je m'étais pas foiré autant. Il m'a fallu peut-être aller à 7 ou 8 essais. Alors, par contre, tais-toi. Et là, du coup, ce que ça fait, c'est que j'ai ma petite pilule d'adrénaline, j'ai de la santé. Et puis, j'ai aussi ma santé max qui a augmenté, je crois. Alors, je sais pas. Moi, je crois qu'il y a toujours affiché 100, mais il me semble que mon personnage est plus résistant, un truc comme ça. J'ai pas trop fait gaffe, c'était marqué, hein, mais... En gros, c'est ça. Les filles de Luigi, bah oui, c'était la mission d'avant. Je veux écraser ça. Voilà. Allez, donc, prochaine vidéo...
On ira s'occuper du petit Yal qui est là-bas. La prochaine mission de Luigi.